foi, la vie, la vérité. Parlons de Jésus de plus en plus. Bonjour, chers frères et sœurs. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. C'est encore Valère Agboedji, pasteur de la communauté chrétienne Tabernacle de Christ de Rouegbo. Je viens une fois encore pour lever un peu de voile sur notre vie chrétienne, sur la marche que nous avons avec Jésus-Christ. Et le thème de ce matin, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Je crois quand même que c'est un thème que nous entendons régulièrement dans nos communautés respectives. Nous menons les combats et chaque jour nous combattons et nous combattons contre le diable, nous combattons contre Satan, contre les démons et tout ça. Je voudrais que nous puissions pénétrer un peu dans la parole pour comprendre ce que c'est que le combat spirituel et quel est le combat spirituel que nous devons réellement mener. Parce que faire le combat, c'est une bonne chose, mais faire le bon combat est encore mieux. Sinon, faire un combat qui ne nous concerne pas, ce n'est pas bon. C'est se fourvoyer soi-même. Mais il est mieux de faire le bon combat, le combat qui nous concerne. De ne pas se promener pour rien, mais il faut faire le vrai combat. Donc, nous allons parler du combat spirituel, le bon combat spirituel. Et je prendrai un passage dans 1 Timothée 1, 18 à 20. Qui dit ceci: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hymenée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Chers frères et sœurs, ici encore, Paul est en train d'inviter Timothée à faire le bon combat, le combat de la foi. Et nous aussi, c'est notre combat quotidien, c'est notre vie quotidienne, à faire le combat spirituel qu'il faut. Et moi aussi, je vous invite à faire le bon combat, à faire le combat spirituel. Mais de quoi s'agit-il? Comment il faut le faire? Et comment est-ce que nous pouvons être assurés d'avoir gagné et d'avoir vaincu réellement Satan? Paul va dire encore dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, il dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, dans un premier temps, le combat que nous avons à faire n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat dans la chair. Donc ça, il faut que nous puissions le souligner déjà. Que nous, chrétiens, nous n'avons pas à faire un combat charnel. Ce qui me gêne et que je vois dans certaines communautés, les gens font des combats charnels. On voit les gens lancer des coups de poing en l'air, taper du pied à terre, taper sur les tables, taper le mur pour dire qu'ils sont en train de combattre Satan. D'autres vont même jusqu'à réclamer la bombe du ciel, une bombe du ciel pour bombarder Satan. Mais dites-moi, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où est-ce qu'il est mentionné une bombe spirituelle, une bombe du Seigneur que nous devons réclamer pour bombarder Satan? Vous voyez cela, c'est des ruses de l'ennemi pour perdre beaucoup de gens. Nous allons même voir dans certaines communautés les gens avec des bâtons, avec des balais, avec des coupes-coupes, avec des pistolets, des fusils, disant qu'ils sont en train de combattre Satan. Est-ce que c'est ça le combat spirituel? Est-ce que c'est à ce combat que Jésus nous appelle? Est-ce que c'est à ce combat que nos devanciers nous appellent? Les gens font ces combats-là. Or, Paul nous dit ici que quand bien même que nous sommes dans la chair, le combat que nous avons à faire n'est pas un combat de la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles
nous combattants ne sommes pas des armes charnelles. Ce n'est pas des armes physiques. Ce n'est pas des coups de poing. Ce n'est pas des injures. Ce n'est pas, des pieds tapés la terre où on écrase Satan avec le pied sur la terre, en train d'écraser la tête du serpent sur la terre. Oh, frères et sœurs, nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train de nous tromper si nous agissons ainsi. Les âmes doivent être des âmes spirituelles, des âmes puissantes que Dieu a données. Et je dis, c'est diabolique. C'est diabolique. Pour cette communauté chrétienne, ces pasteurs, ces dévanciers, qui mettent des bâtons dans la main des chrétiens, qui mettent des balais dans les mains des chrétiens, qui leur commandent d'envoyer des coupes-coupes et disant qu'on est en train de faire un combat spirituel dans l'église. Ils ne savent pas quel est le Dieu qu'ils adorent. Ils ne connaissent même pas le Seigneur qu'ils adorent. Ils ne savent même pas avec qui ils sont marchés. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Le Dieu que nous adorons est un Dieu spirituel. Et il a dit qu'il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Il dit que c'est spirituellement que nous devons juger. Mais pourquoi les gens prennent des bâtons, des bois, des fusils, des balais, des coups de poing pour frapper les murs à longueur de journée, disant qu'ils sont en train de faire un combat spirituel. Là n'est pas le combat auquel Dieu nous appelle. Il faut que nous nous éveillons. Il faut que nous nous réveillons dans cette marche chrétienne que nous sommes en train de faire là. Pour savoir réellement le combat qui nous incombe. Pour savoir réellement la bataille qui nous incombe. Je vous invite à regarder cela, à vérifier cela, à faire une introspection pour voir à travers la parole le combat que Dieu nous invite à faire. Je voudrais que nous allions dans Éphésiens 6, parce que là encore, Paul va nous parler de ce combat-là. Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il va dire ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, notre combat n'est pas contre un être humain. Quand je vois des pasteurs combattre leurs fidèles, combattre les membres de l'église, parce qu'ils estiment que ces membres-là sont contre eux, ces membres-là sont contre leurs intérêts. On combat les gens dans les églises. Il y a des clans dans les églises. Il y a des regroupements dans les églises. Et là, on a des membres en adversité. Et on cherche à mettre des pots de banane pour nuire à tel frère, pour nuire à telle sœur. Et c'est ce travail qui se fait dans les églises. Frères et sœurs, si vous agissez ainsi, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas encore le Dieu que vous adorez. Vous ne connaissez pas la vie chrétienne que vous menez. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas ce que vous devez faire réellement. Si ça en est ainsi, il est simple. Soyez humble. Rentrez dans l'humilité et cherchez à connaître la bonne voie et agissez ainsi. En cela, vous serez vérité. Il dit, nous n'avons pas à combattre la chair, à combattre un frère dans l'église, à combattre une sœur dans l'église. Mais nos ennemis, sinon notre ennemi, c'est Satan. C'est le monde des méchants. C'est les principautés. C'est eux notre ennemi. Mais ces ennemis dont nous parlons, ce n'est pas des ennemis physiques. Ils ne sont pas charnels, mais ils sont spirituels. Ce n'est pas des gens que nous voyons. Même si on estime que tel frère est sorcier ou telle sœur est sorcière, nous n'avons pas à combattre ce frère sorcier. Nous n'avons pas à combattre cette sœur sorcière. Mais nous avons à combattre l'esprit méchant qui a agi. Et par la grâce de Dieu, je voudrais avancer pour voir ce à quoi Paul nous invite. Il dit au verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » La première arme, frères et sœurs, c'est la vérité, ce n'est pas un bâton.
L'âme que Dieu nous invite à prendre ici, c'est la vérité. Tu es continuellement dans le mensonge. Tu mens tous les jours. Dans ton église, tu mens. Tu cherches à roubler les gens. Tu cherches à tromper les gens. Tu cherches à manipuler les gens. Et c'est toi qui es champion de combat spirituel. C'est toi qui es champion de combattre Satan, de le renverser, de réclamer la bombe du ciel pour le tuer. Et malgré que tu fais ça chaque fois, Satan est toujours vivant. Satan agit toujours dans votre maison, dans vos églises. Et vous le faites aujourd'hui, le lendemain, vous le faites encore. Vous le faites aujourd'hui, après-demain, vous le faites encore. Tous les jours, vous faites les combats. Et vous ne gagnez jamais. Vous voyez cela? Vous vous trompez. Satan vous trompe. Vous vous trompez vous-même. Il dit, ayez la vérité comme ceinture. Soyez dans la vérité. Soyez blanc comme neige. Soyez ouvert. Dites la vérité à vos semblables. Gardez la parole véritable de Dieu. Ne mentez pas. Et si vous agissez ainsi, c'est une véritable arme dans votre main pour vaincre Satan. Si tu es quelqu'un, tu es véridique. Si tu es quelqu'un, tu as continuellement la vérité et tu résides dans la vérité de la parole, Satan va te fuir. Satan ira loin de toi. Ce n'est pas en criant, en tapant la table que tu vas vaincre Satan. Ce n'est pas en tapant le mur que tu vas vaincre Satan. Mais vis dans la vérité et tu verras que Satan sera vaincu. Il dit encore, il dit, prenez la cuirasse de la justice. Prenez la cuirasse de la justice. Rendez justice, frères et sœurs. Ne soyez pas des gens ayant des langues fourchues. Dites telle chose ici et dites telle autre chose là-bas. Trompez les gens, non. Soyez juste. On fait du bien à ceux qui ont l'argent dans l'église. On est avec ceux qui ont de l'argent, ceux qui donnent beaucoup à l'église. C'est à eux qu'on fait du bien, c'est à eux qui ont raison. Mais ceux qui n'ont rien, eux, on les néglige, on les ignore, on ne prie pas pour ces personnes-là. Est-ce que tu es juste quand tu agis comme ça? Oh mon frère, fais ainsi si tu veux. Mais monte, combat, prends des bâtons, réclame la bombe. Tu échoueras toujours devant Satan. L'âme à laquelle Dieu nous invite, la vérité, la justice. Voici les âmes qu'il faut prendre pour pouvoir vaincre Satan. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Semez la paix autour de vous, dans vos foyers, avec votre conjointe, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos frères, dans vos services, dans vos activités, partout. Semez la paix autour de vous et Satan ira loin de vous. Tu ne sèmes pas la paix. C'est toi qui cherches continuellement à scandaliser les gens. C'est toi qui cherches continuellement à nuire les gens, à énerver les gens. C'est toi qui cherches à faire toutes ces choses. Et à l'église, tu cries pour dire que tu combats Satan. Non, Paul nous invite à avoir la paix, à semer la paix autour de nous, hein, à pardonner, parce que la paix vient du pardon, hein, à chercher à réconcilier les gens, à chercher à concilier les choses, à comprendre les gens. Il faut agir ainsi. Si tu agis ainsi, Satan ira loin de toi. Satan ne pourra pas te résister. Mais vous créez la discorde, vous créez les divisions, vous créez les énervements, vous haïssez, vous combattez vos semblables. Et c'est pour dire que vous combattez Satan. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Jésus a dit, donnez à César ce que tu as à César et à Dieu ce que tu as à Dieu. C'est ce qu'il a dit. Fais ainsi et tu verras, Satan ira loin de toi. Tu as les choses de Satan dans ta maison. Tu as le mensonge chez toi. Tu as le vol, l'adultère, l'impudicité. Tu as ces choses chez toi. Et c'est toi qui prétends combattre Satan. Tu as les instruments de Satan chez toi. Et c'est toi qui prétends combattre Satan. Non! Les armes que Dieu nous donne sont la vérité, la justice, la foi. C'est ces choses que nous devons utiliser pour vaincre Satan. Il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ayez la foi. Vous n'avez pas la foi, vous doutez. Vous avez peur. Quand le vent souffle, vous dites que Satan est venu. Quand un chien aboie dans le quartier, vous voyez Satan.
quand une blatte, un cacaraca marche dans vos maisons, vous avez peur. Vous dites Satan est là. Quand vous voyez un gecko sous votre mur, vous criez, oh le sorcier est venu. Et c'est toi qui prétends combattre Satan. Frères et sœurs, vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous n'avez pas la foi. Vous ne vous abandonnez pas à Jésus-Christ. Vous ne savez même pas la main dans quelle main vous êtes. Vous ne reconnaissez pas la puissante main de Jésus-Christ. Et vous prétendez combattre Satan en utilisant des armes charnelles, des armes physiques, les instruments de Satan, la haine, les disputes. Vous utilisez ces choses et vous prétendez combattre Satan. Le combat spirituel auquel Dieu nous invite, ce n'est pas ça. Il dit d'avoir la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, l'épée, la parole de Dieu, la vérité de la parole. Ce n'est pas le mensonge d'hier. Ce n'est pas ce qui s'est passé, la manne d'hier. Mais la parole de votre temps, vous devez la croire pour vaincre Satan. Vous devez recevoir le message que vous donne dans votre temps pour vaincre Satan. Vous n'avez pas ce message-là, vous n'avez pas cette parole-là, vous n'avez pas cette vérité-là. Et vous levez Satan. Vous criez à longueur de journée. Vous criez à longueur de journée. Vous réclamez les bombes du ciel sur Satan. Et chaque jour, Satan se présente encore. Satan se présente encore. Et on voit Satan dans tout. Frères et sœurs, je vous invite à marcher suivant les armes que je viens de vous donner ce matin. La vérité, l'épée, la foi, la parole de Dieu, le salut, la justice. Prenez ces âmes-là et vous verrez Satan s'éloigner de vous. Commencez par agir ainsi. Ce n'est pas une question de vociférer. Ce n'est pas une question de crier. Où on dit combat, combat spirituel. Et chacun se lève et puis on commence à crier, on commence à sauter, à balancer la main, à donner des coups de poing dans le vide. Satan est physique. Pourquoi tu prends un coup de poing physique pour le battre? Satan est physique. Pourquoi tu prends, c'est pas un morceau de bois pour le battre? Arrêtez de vous tromper. De vous mentir dans les églises. Sortez de ces choses et soyez de véritables chrétiens. Des chrétiens sobres, vivant dans la vérité, acceptant la chose divine, acceptant le message de Dieu pour avancer. Les âmes que Dieu nous donne sont puissantes. Vous ne pardonnez pas vos prochains. Et c'est vous qui voulez combattre Satan. Vous n'avez pas l'amour. Et c'est vous qui voulez combattre Satan. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon les uns envers les autres. Et c'est vous qui voulez combattre Satan. Vous n'êtes pas doux. Et c'est vous qui voulez combattre Satan. Prenez ces âmes-là. Et Satan sera vaincu à votre premier coup d'essai. Frères et sœurs, je vous invite à prendre conscience. Je vous invite à prendre conscience, je vous invite à regarder dans cette direction-là, à prendre les véritables armes qui combattent Satan. Et ce sont les armes que je vais donner. Laissez les morceaux de bois, laissez les coups de poing donnés au mur, laissez les pieds que vous tapez sur le sol, laissez ces choses et combattez Satan véritablement. Il ne peut pas résister à votre amour, il ne peut pas résister à votre justice, il ne peut pas résister à la foi que vous avez. Il ne peut pas résister à la justice que vous donnez. Il ne peut pas résister à la paix que vous sèmez autour de vous. Il fuira loin de vous. Ainsi dit la parole de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons et que la parole puisse avoir un impact dans vos vies. Changez véritablement. Si vous avez des questions, vous avez voulu comprendre encore des choses, vous voulez qu'on vous éclaircisse certaines choses, appelez-nous sur le numéro qui est au bas de la vidéo. Nous sommes disponibles à vous entretenir et à parler avec vous. Soyez bénis. Shalom. Parlons de Jésus, que tout le monde proclame. Il est notre époux.